Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir une superbe recette de dôme saumon, avocat et œuf parfait. C'est parti! Pour cette recette, vous allez avoir besoin de 4 œufs parfaits. 4 œufs parfaits, c'est 4 œufs avec une cuisson à 4 minutes. 4 tranches de saumon fumé, un avocat bien mûr écrasé, une pincée de sel, une pincée de poivre, une cuillère à café de paprika, un filet de jus de citron et 4 tranches de pain. Donc vous allez voir, c'est une recette ultra rapide et qui fait sensation. Donc nous allons commencer. Dans l'avocat écrasé, vous ajoutez le jus de citron, le sel, le poivre et le paprika. Vous pouvez utiliser aussi un mélange Tex-Mex. Tout ce qui est épicé conviendra. Donc on mélange bien. Vous pouvez l'écraser à la fourchette ou bien le mixer. Ensuite, il vous faudra des moules en forme de demi-sphère, moule en silicone ou moule rigide. Mettez bien une feuille de papier au fond pour que ça puisse se décoller. Du film alimentaire convient très bien. On va déposer dans chaque demi-sphère une tranche de saumon fumé et une cuillère à café d'avocat. N'en mettez pas trop car il faut que votre œuf tienne. Déposez l'œuf parfait dans le demi-sphère. On y va très délicatement car l'œuf parfait, c'est un peu comme un œuf à la coque. C'est très très mou, très délicat, ça peut se percer à tout moment. On ajoute une autre cuillère à café de préparation d'avocat. Et ensuite, nous allons refermer le dôme. Vous voyez, c'est vraiment ultra simple et ultra rapide. Donc on fait pareil pour les quatre autres et avec le saumon qui reste, on va venir les déposer par-dessus pour faire un petit socle de saumon. Recette rapide, vous n'avez même pas besoin de mettre au frigo. Nous allons ici découper le film pour pouvoir les séparer un à un. Et étant donné qu'on a utilisé du film, ça va se démouler tout seul. Donc, on prend les tranches de pain, on les fait griller. Donc là, elles sont bien grillées. On va tout simplement prendre une tranche de pain. Une demi-sphère, vous avez vu, ça se décolle tout seul, pas besoin de mettre au frigo. Et vous venez poser votre demi-sphère sur votre tranche de pain, tout simplement. Donc là, votre entrée est terminée, vous n'avez plus qu'à la servir. Et à la découpe, vous avez normalement votre jaune qui coule. Bonne dégustation!